T'as toujours pas de ticket. Un ticket avec qui? Avec toi? Bon, celle-là, tu me l'as déjà faite. Tu sais très bien ce que je veux dire. Eh ben si, j'ai un ticket. Ça t'épate, hein? Ah oui, t'as un ticket. Où ça? Dans ma poche. Attends, t'as un ticket dans ta poche, mais tu l'as pas validé. Comment ça, validé? Ne fais pas l'innocent, Jean-Charles, s'il te plaît. Un ticket de bus, tu dois le valider quand tu montes, sinon ça ne sert à rien. Ah ben, s'il y a un contrôle, je dirais que j'ai oublié de le faire, c'est tout. Ah oui. Et tu penses que le contrôleur va te croire? C'est un peu gros comme ficelle, non? Non, mais quelqu'un qui prend honnêtement le bus, quelqu'un qui ne cherche pas à filouter, pour cette personne-là, c'est automatique. Elle monte, elle valide. Et pour toi, c'est pareil que pour tout le monde. Tu montes, tu valides. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Que tu es quelqu'un au-dessus des lois? Tu prends les autres pour des imbéciles ou quoi? Non, mais c'est parce que j'ai pas encore le réflexe, c'est tout. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, toi aussi, t'essaies de filouter, hein. C'est pas clair, mon pépère. Non, mais déjà, j'ai acheté un ticket, c'est déjà pas mal, non? Oui, bon, tu parles, si tu te sers du même toute l'année. Non, mais si tu cherches à te distinguer, fais-le positivement. Je sais pas, moi, gagner une médaille aux Jeux Olympiques, ou écrire un bouquin qui se vend. Deviens le meilleur en macramé, j'en sais rien, moi. Mais n'essaye pas de te distinguer en étant le seul à ne pas utiliser de ticket pour prendre le bus. C'est nul. Et puis, si tu crois que c'est comme ça que tu vas draguer les nanas... Ne pas valider, c'est frauder. Et la fraude, c'est du vol, comme ils disent à la radio. Ouais, t'as raison. T'as toujours raison. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Tu montes, tu valides. Je monte, je valide. Je monte, je valide.